kidnapped in South Australia. I'm so far away from her and I couldn't, I didn't really know where she is. Hello, c'est Lionel. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire, à l'occasion de la sortie de mon nouveau livre, Terreur en Australie, les vrais Wolf Creek, 15 affaires réelles et effrayantes. Il faut savoir que 38 000 personnes, des jeunes pour la moitié, sont portées disparues chaque année en Australie. Ce sont les statistiques officielles, attention, hein. Les deux tiers de ces disparitions sont résolues dans les 24 heures, mais il faut savoir qu'une petite proportion de ces personnes, ces hommes, ces femmes et ces enfants, ne sont jamais retrouvés. On ne sait tout simplement pas ce qui leur est arrivé. C'est sur cette base que s'appuie Wolf Creek, un petit film d'horreur qui raconte l'histoire d'un groupe de touristes qui croisent la route d'un tueur psychopathe. Dans ce livre, vous trouverez 15 affaires criminelles et faits divers australiens dans lesquels les médias australiens ont fait directement référence au film Wolf Creek. Vous trouverez donc l'affaire des Bikepacker Murders, celle de la disparition de Peter Falconio, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos sur ma chaîne, mais aussi beaucoup d'autres dossiers complètement inconnus en France. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une de ces histoires, une histoire vraie, donc qui est arrivée à une touriste belge nommée Davin Harkins. J'en profite pour saluer au passage mes spectateurs et spectatrices de Belgique. Pour ceux et celles qui découvrent mon travail avec cette vidéo, merci de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Je suis content grâce à vous, tous ceux qui m'ont rejoint ces derniers mois. On s'approche des 100 000 abonnés. Mais bon, vous savez, c'est comme en escalade, hein. Il n'y a jamais rien d'assuré. Donc, il faut continuer. Et en tout cas, merci encore à ceux et à celles qui ont fait ce petit geste et bien sûr à ceux et celles qui le feront. Donc c'est parti, on va maintenant remonter en 2016 et on va partir chez nos amis belges. À l'époque, Davin Harkins est une jeune femme dynamique de 24 ans. Elle vit dans une petite bourgade belge, côté flamand apparemment, et l'endroit est tranquille, trop tranquille pour Davin. Davin adore voyager. Dans le passé, elle a déjà visité l'Afrique du Sud, le Guatemala et aussi la Chine. Voyager, c'est le moyen pour Davin d'élargir son esprit et aussi de s'occuper d'animaux, son autre grande passion dans la vie. Fin 2016, c'est le moment pour Davin de réaliser enfin son rêve, explorer l'Australie. Visa vacances travail en poche, la jeune Belge arrive donc à Sydney et elle visite le pays pendant environ 2 mois. Elle va par exemple à Melbourne et aussi en Tasmanie. Elle fait plein de visites sur place et elle est très heureuse. Début février 2017, Davin est à Adélaïde, en Australie méridionale. Elle loge dans une auberge de jeunesse. Elle a un tel coup de cœur pour ce pays qu'elle sait déjà qu'elle va rester plus longtemps que prévu. Elle fait donc des démarches pour prolonger son visa d'une année supplémentaire. Pour obtenir le feu vert de l'administration australienne, Davin doit trouver un emploi manuel en zone rurale. Je vous passe les détails, hein, mais c'est la loi en Australie. Et Davin a envie, si possible, de trouver un job auprès d'animaux qu'elle adore. Davin met donc une petite annonce sur le site internet Gumtree et l'attente commence. Mais bon, autant vous dire qu'elle ne roule pas sous les propositions. Donc là, c'est un peu la galère. Vous savez, l'Australie, c'est pas forcément l'Eldorado, hein. Vous trouvez pas un boulot comme ça en un claquement de doigts, hein. Donc Davin, elle attend, mais bon, à un moment donné, elle reçoit quand même un message. Et elle est super contente parce que ce message a vraiment l'air intéressant. Seriez-vous intéressé pour élever des bébés veaux dans une ferme à 2h30 d'Adélaïde? Et l'offre d'emploi qui a été postée par un individu prénommé Max a l'air sérieuse. Nous allons travailler dans l'une des nombreuses fermes en Australie appartenant à une société appelée Genesis Incorporation, lui explique Max. Genesis Incorporation est en gros un réseau de fermes qui embauche des backpackers étrangers. Les backpackers, ce sont les voyageurs sac à dos. Donc c'est un emploi auprès d'animaux, ça a l'air sérieux, donc Davin elle est super intéressée. Elle demande des renseignements complémentaires à Max, qui lui confirme qu'elle ne sera pas seule dans cette ferme. Il y aura une autre travailleuse étrangère avec elle, une Française. Rassurée, Davin lui dit que c'est ok. Vu que Davin doit commencer à travailler tout de suite et que l'exploitation agricole est en zone rurale, Max lui donne rendez-vous le 9 février 2017
à Murray Bridge, une ville à 80 km au sud-est d'Adélaïde. Il est prévu que le fermier récupère Devin à la gare routière et la conduise ensuite jusqu'à sa ferme. J'ai travaillé en Australie et ça se passe en général comme ça, quand vous n'avez pas votre propre moyen de locomotion. Devin est soulagé d'avoir trouvé un job qui va pouvoir peut-être lui permettre de rester plus longtemps en Australie, et elle est super contente aussi parce que c'est auprès d'animaux, des bébés veaux. Donc là, elle annonce sans tarder la bonne nouvelle auprès d'une amie proche qui s'appelle Aiko Wang. C'est une amie qu'elle a rencontrée lors d'un voyage en Chine 3 ans plus tôt. Et hasard ou coïncidence, Aiko est également en Australie à cette période dans le cadre d'un séjour vacances-travail. Mais Aiko, elle est dans l'extrême nord du Queensland, alors que Devin, elle est dans l'extrême sud, à plus de 2500 km d'elle. Donc les deux copines en discutent via les réseaux sociaux et Aiko est très contente pour son amie. Le jeudi 9 février 2017 au matin, Devin quitte donc comme prévu son auberge de jeunesse et prend un bus depuis le centre-ville d'Adélaïde jusqu'à Murray Bridge. Une heure plus tard, elle arrive sur place et Max, le fermier, est à l'arrêt de bus, comme il avait annoncé. Dans la cinquantaine, grand et vêtu d'habits de travail, l'homme qui arbore une moustache a l'apparence d'un fermier lambda. Devin monte donc dans son véhicule qui est ce qu'on appelle un ute, c'est-à-dire une sorte de pick-up australien de couleur rouge. Tandis qu'il conduit sur des petites routes de campagne, Max se montre bavard et plutôt amical. Le trajet pour se rendre à sa ferme est assez long. Ils sont même obligés d'emprunter 2 ferries pour traverser des bras d'eau. En effet, la région au sud de Murray Bridge inclut 2 lacs nommés respectivement Lake Alexandrina et Lake Albert. 2 heures après leur départ de Murray Bridge, Max et Devin atteignent enfin leur destination, une vaste propriété perdue dans la campagne d'Australie méridionale. Après avoir franchi 2 clôtures, ils arrivent à la ferme dans laquelle Devin va travailler. En arrivant, Max montre à Devin les endroits où elle devra nourrir les bébés veaux, et ils vont ensuite dans un hangar à porc. Ils rentrent dans l'hangar et l'hangar est quasi vide, il n'y a pas d'animaux, il y a juste un canapé, un frigo qui traîne dans un coin, et l'endroit est assez sale, le sol est couvert de paille et d'excréments d'animaux. Donc autant vous dire que niveau confort, on est quand même assez loin d'Airbnb. Et Devin, elle est étonnée, elle est assez surprise. Mais bon, elle se dit que c'est l'Australie. On est au fin fond de la pampa quand même, faut pas l'oublier. Mais il y a un autre truc qui la chiffonne, c'est que Max lui avait parlé d'une autre employée, une Française. Et là, elle a vu personne. Elle a vu personne pour l'instant. Donc elle se dit que la Française est peut-être ailleurs sur la propriété. Mais c'est pas terminé. Ensuite, il va se passer autre chose. Le fermier, Max, lui fait une demande un peu spéciale. Il lui explique que dans le passé, il a eu des problèmes avec des employés et qu'il veut s'assurer que Devin n'est pas une toxicomane. Il lui propose donc calmement et sans aucune agressivité d'enlever ses chaussures et de s'allonger sur le canapé. Le canapé qui traîne dans le hangar, là. Devin, elle est un peu déconcertée. C'est vrai qu'il faut se mettre à sa place. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'on lui fasse une demande pareille. Mais bon, elle se dit qu'après tout, si ça la rassure, pourquoi pas, elle obéit. Donc, elle s'allonge sur le canapé et Max commence à vérifier ses bras et ses plantes de pied à la recherche d'éventuelles traces de piqûres. La scène est quand même assez strange, je vous fais pas dire. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Mais bon, elle se laisse faire. Donc Devin, elle est là, elle est allongée sur le ventre, sur le canapé. Pendant ce temps-là, elle sent que Max, qui est dans son dos, elle voit pas ce qu'il fait. Mais bon, il est en train de manipuler ses pieds. Elle attend que ça se passe. Mais bon, la scène est quand même assez malaisante. Elle est malaisante, mais elle va basculer dans l'horreur. Max grimpe soudain sur la jeune femme et il tente de lui attraper les bras pour les mettre dans son dos. Devin a pour réflexe de se débattre, elle s'étendait pas, hein. Mais là, Max la menace. Il lui dit qu'il a une arme à feu et qu'il n'hésitera pas à s'en servir. Et à cet instant, Devin, elle sent quelque chose de dur appuyé dans son dos. Et il s'agit du canon d'un pistolet. Là, Devin, elle est effrayée, quoi. Et elle décide de se laisser faire parce que elle n'a pas envie de mourir dans ce hangar sinistre. Et elle prend cette décision. Elle se dit que c'est le seul moyen de sauver sa vie. Par la suite, c'est un véritable cauchemar éveillé pour Devin parce qu'elle sent que le fermier lui attache les poignets et les chevilles avec des serre-câbles avant d'utiliser ensuite des chaînes. Des chaînes, c'est assez terrifiant. Par la suite, il lui enlève tous ses vêtements et
Voilà, je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez compris. Le fermier la menace ensuite à nouveau avec son arme si jamais elle tente de s'enfuir. Il lui répète qu'elle doit se laisser faire, sinon il va l'abattre avec son arme à feu. Passé le viol, Devin, elle est en état de choc, elle est absolument terrifiée parce que voilà, son rêve australien vient de se briser. Il a basculé dans quelque chose d'absolument sordide. Elle est prisonnière dans un hangar à porc infect, rempli de mouches. Elle est nue, elle est entravée par deux chaînes, une au poignet et une à la cheville. Elle peut juste faire quelques mètres et accéder à un vieux frigo en panne, pas loin du canapé. C'est donc dans cet endroit sordide que son agresseur a l'intention de la garder comme son jouet, apparemment. La symbolique des chaînes est assez forte, hein. Ça signifie que Devin va devenir l'esclave de ce dépravé. Et c'est pas fini. Le fermier, se faisant appeler Max, un faux prénom à l'évidence, lui annonce qu'elle est désormais la propriété d'un gang criminel spécialisé dans la traite de jeunes femmes. L'organisation avec laquelle Max est lié expédie les filles après approbation entre guillemets à Sydney et Melbourne où elles sont forcées à se prostituer. Pour terminer, le kidnappeur de Devin la prévient qu'elle ne peut faire confiance à personne, même pas à la police parce que elle est complice de l'organisation criminelle. La police est infiltrée. Sous choc de ce qui lui arrive, Devin traverse des moments de désespoir intense. Nul ne sait qu'elle est tombée entre les griffes d'un fermier pervers qui va la garder on sait combien de temps. En détresse psychologique, Devin sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même si elle veut s'en sortir. La jeune belge se dit intérieurement qu'elle a peu de chances de s'en sortir vivante. Elle cherche une idée de s'en sortir, mais il n'y a rien qui vient. Elle ne sait vraiment pas comment elle va faire pour s'extraire de ce piège tendu par cet esprit tordu. Mais à un moment donné, Max, qui est toujours dans le hangar, ouvre la porte du frigo. Vous savez qu'il y avait un vieux frigo qui était là. Le frigo est hors service. Faut pas croire que Max avait prévu des boissons fraîches pour sa prisonnière. Non, non, non. Le frigo est vide, il est sale, comme le reste du bâtiment. Et en fait, Max ouvre la porte. Il veut regarder l'intérieur pour voir si, éventuellement, il n'y aurait pas des choses qu'il aurait laissées, qui pourraient permettre à sa prisonnière de s'évader. Donc voilà, il fait un peu de ménage. Et à cet instant, Devin, elle a l'œil, parce qu'elle repère quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Elle voit dans le réfrigérateur des petits crochets métalliques. Des crochets qui sont utilisés pour lier des balles de laine. Donc Devin voit ça et elle fait comme si elle n'avait rien vu. Elle fait comme si de rien n'était. L'esprit de Devin va à 100 à l'heure. Elle réfléchit sans arrêt pour savoir ce qu'elle pourrait faire pour s'enfuir. Mais le problème, c'est que Max est toujours dans l'hangar. Il est toujours avec elle. Donc elle se dit, mais est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester là tout le temps? Elle est vraiment gênée par ça. Donc là, le temps passe. Elle commence vraiment à se poser des questions. Mais par chance, en début de soirée, Max sort enfin. Il la laisse seule. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas combien de temps il est parti. Mais comme je vous l'ai dit, Devin, c'est une jeune femme qui est très brave. Et là, elle décide de prendre son courage à deux mains. Donc elle se lève. Elle est enchaînée au niveau de la cheville, mais elle se déplace quand même jusqu'au frigo. Elle ouvre la porte du frigo et là, elle récupère l'un des petits crochets métalliques et elle se sert de ce crochet comme outil pour desserrer la manille qui enserre l'une de ses chaînes au poignet. Elle s'acharne dessus et après quelques minutes d'effort, l'inespéré se produit. Devin parvient à se libérer de sa chaîne. Donc là, je ne vous raconte pas l'adrénaline. Elle procède de la même façon pour la chaîne qui est à sa cheville. Elle arrive aussi à la retirer. Voilà, donc là, Devin est libre. Elle est libre. Vous imaginez son niveau de tension, d'adrénaline. Là, elle tente de mettre un peu d'ordre dans ses idées qui fusent dans son esprit. Devin, c'est vraiment une jeune femme intelligente. Je dis pas ça pour être politiquement correct, je pense réellement parce que, au lieu de s'enfuir bêtement n'importe où, comme ça, dehors, dans le noir, elle réfléchit. Parce qu'elle se dit que c'est pas forcément la meilleure solution de partir, de courir comme ça à l'extérieur, parce qu'elle ne sait pas du tout où aller, c'est l'obscurité totale. Elle décide plutôt de réfléchir. Elle réfléchit et elle regarde autour d'elle dans le hangar. Et en observant les lieux, elle repère quelque chose. Elle réalise que si Max lui a confisqué son téléphone portable et ses clés, il a laissé son sac à dos dans le hangar. Il a oublié de l'emporter. Et là, Max a commis une erreur. Une erreur grossière, parce que ce sac à dos contient
l'ordinateur portable de Devin, ainsi que une clé USB Wi-Fi. Donc là, c'est une occasion en or, quoi. C'est une chance inespérée pour Devin. Hein. Donc elle se précipite jusqu'à son sac, elle récupère son ordinateur portable, elle l'allume tout de suite, et elle se connecte à Internet avec sa clé USB. Elle a le cœur qui est sur le point d'exploser dans sa poitrine, et c'est normal, vous imaginez le stress, quoi, l'adrénaline. Mais comme je l'ai déjà dit, Devin, c'est vraiment une jeune femme intelligente, parce que elle a le réflexe de baisser la luminosité de son écran, parce qu'elle se dit que la lumière va peut-être se voir depuis l'extérieur. Parce que Max est peut-être dans les parages, c'est ça aussi, il ne faut pas l'oublier, hein. Il peut revenir à n'importe quel instant. Donc là, pour Devin, c'est vraiment l'instinct de survie qui parle, hein. Elle se connecte à Internet, elle va tout de suite sur son compte Facebook, et là, elle commence à poster frénétiquement des messages d'appel à l'aide. « J'ai été kidnappée en Australie méridionale. S'il vous plaît, je suis dans une ferme quelque part, à 2 heures de route de Murray Bridge. » J'ai pris 2 ferries. Ayant conscience que son kidnappeur peut revenir d'un instant à l'autre, Devin se dépêche de donner le plus d'informations possibles sur lui. Elle essaye de le décrire comme elle le peut. Il a un pick-up rouge. J'ai très peur de m'enfuir. Il a une arme à feu. S'il vous plaît, prévenez la police et maman. Je ne sais pas où je suis. S'il vous plaît, aidez à me chercher. Donc Devin poste ses messages comme ça un petit peu à l'aveuglette sur Internet, hein. Mais par une chance extraordinaire, son ami Aiko Wang, qui est également en Australie, mais à plus de 2500 km au nord, dans le Queensland, elle est également connectée à ce moment-là. Aiko lit les mots écrits par sa copine. Elle les lit en temps réel et elle comprend instantanément la gravité de la situation. Donc Aiko commence à répondre à Devin. Elle lui demande de se calmer et de lui envoyer sa localisation. Devin, elle est euphorique parce qu'elle est en train de parler à sa copine, Aiko, qui va l'aider à s'en sortir. Mais l'euphorie va être de courte durée parce que la connexion va brutalement se couper. Devin a perdu sa connexion Internet parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une région isolée de l'Australie qui n'est pas toujours bien couverte par du réseau. Là, c'est un petit peu la douche froide pour Devin. Elle décide d'éteindre son ordinateur et de le ranger rapidement dans son sac. Vu qu'il fait nuit noire dehors, Devin, elle se dit que c'est vraiment pas une bonne idée de partir comme ça. Dans l'obscurité, Devin prend une décision qui est extrêmement courageuse. Elle remet ses chaînes. Là, vraiment chapeau, parce qu'il faut avoir un sang-froid énorme pour faire un truc pareil. Mais en son fort intérieur, Devin, elle sait que sa copine Aiko va prévenir la police. Elle a quand même eu le temps de lui dire qu'elle était en détresse, qu'elle était prisonnière quelque part, même si elle n'a pas pu lui donner l'endroit précis. Devin sait que sa copine va alerter les autorités qui vont sûrement se lancer à sa recherche. Par conséquent, Devin, elle considère que la meilleure solution pour elle, c'est de remettre ses chaînes et d'attendre les secours sans rien laisser paraître. Il faut quand même dire que c'est une décision assez risquée. Devin a la chance d'avoir une copine fiable parce que Aiko, de son côté, prévient tout de suite la police australienne, qui est aussi réactive. Là, il y a quand même un concours de circonstances plutôt favorable pour Devin. Le commissaire Mark Witzik, en charge de l'affaire, comprend tout de suite que c'est du sérieux. Il demande une triangulation du téléphone portable de Devin. Les analyses techniques vont permettre de géolocaliser son appareil et de reconstituer son parcours le jour précédent. Le téléphone de Devin ayant activé plusieurs antennes relais, les policiers pensent qu'elle est séquestrée dans une zone proche de Meeningee, une ville d'environ 1000 habitants à 150 km au sud-est d'Adélaïde. Des recherches terrestres et aériennes sont aussitôt déclenchées dans la région de Meeningee. Une véritable lutte contre la montre s'engage pour retrouver Devin, parce que le commissaire Witzik craint pour sa sécurité. Il a peur que son kidnappeur l'élimine, parce qu'il peut le faire à tout moment. Tandis qu'elle passe sa première nuit, nue et enchaînée, dans l'immonde hangar à port qui lui sert de cellule, Devin entend des avions passer dans le ciel. Elle espère au fond d'elle-même que ce sont des avions de la police équipés d'infrarouges pour pouvoir la repérer. Seulement, elle n'est sûre de rien. Autant vous dire qu'elle passe une très très mauvaise nuit. Elle dort très peu. Lorsque le soleil revient, le vendredi 10 février 2017, des avions de la police continuent de survoler le secteur de Meeningee. Seulement, ils ne repèrent rien de suspect. Ils ne parviennent pas à retrouver la trace de la jeune Belge.
Il faut dire qu'on est dans des grands espaces, hein. Tout est beaucoup plus grand en Australie. Mais les quelques détails donnés par Devin sur Internet vont se révéler cruciaux. Rappelez-vous qu'elle avait décrit le véhicule de Max sur Internet. Un pick-up de couleur rouge. Et justement, vers 14h, un pilote remarque un yacht de couleur rouge suspect au sol. Le véhicule est caché sous un arbre de propriété agricole. Il correspond totalement à la description donnée par Devin dans ses messages. Et les policiers observent à distance un homme monter à bord de ce pick-up et se diriger vers la ville de Meninji. Tenu au courant, le commissaire Vidic, qui est en charge de l'affaire de la disparition de Devin, donne l'ordre à une patrouille de police de vérifier l'identité du conducteur, dans le cadre d'un apparent contrôle de routine. Il ne faut pas que le conducteur se doute de quoi que ce soit. La police australienne procède donc au contrôle du véhicule à Meninji. Ils arrêtent le yacht rouge, et demandent au conducteur ses papiers. L'homme fournit ses papiers d'identité, et on apprend alors qu'il s'agit d'un homme de 54 ans nommé Jean Charles Bristow. Étant donné qu'à ce stade, les officiers de police n'ont aucune raison légale de retenir Bristow, ils le laissent repartir libre. Se faisant appeler Max sur le site internet Gumtree, c'est bien Bristow qui a agressé David. C'est bien lui qui l'a fait prisonnière. Et revenu sur son exploitation, Bristow commence à paniquer. Parce qu'il n'est pas complètement bête. En plus du contrôle de police en ville, il a quand même repéré les avions qui font des ronds dans le ciel, dans le secteur. Il comprend que l'étau est en train de se resserrer sur lui. Bristow se précipite donc jusqu'au hangar où il retient Devin. Il la libère de ses chaînes, il lui ordonne de se rhabiller et de le suivre. « Il y a la police partout, faut partir !» lui dit-il. Même si Devin a peur de se faire tuer, elle obéit. Elle attrape son sac à dos et elle sort du hangar en courant avec Bristow, qui l'a fait grimper dans son véhicule. Pendant que son kidnappeur conduit, Devin n'a aucune idée de l'endroit où il l'amène. Et puis elle ne sait pas ce qu'il va faire d'elle. Hein. On peut tout imaginer, hein. Il a très bien pu décider de la tuer et de se débarrasser de son corps quelque part dans le bush. Hein. Mais Devin doit avoir un ange gardien parce que Bristow la ramène contre toute attente à Murray Bridge. Il la dépose même devant un motel, le Central Olympic Motel. Il la fait descendre de son véhicule et il lui donne juste pour instruction de prendre un bus jusqu'à l'aéroport et de rentrer chez elle. Devin se retrouve donc seule et hors de danger, mais elle l'ignore encore. Parce qu'elle est très affaiblie mentalement et elle se croit toujours menacée. Se souvenant des paroles de Bristow, elle craint toujours que d'autres membres du réseau de trafic sexuel s'en prennent à elle. Et Devin n'ose même pas appeler la police. Elle a peur d'appeler la police parce que Bristow lui avait dit que la police était infiltrée par le réseau et qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. C'est comme si Devin avait subi un lavage de cerveau. Elle est complètement parano à ce stade. Et attention, elle a des raisons de l'être. Hein. Donc Devin, elle est dans un état lamentable, là. Et elle est dans le motel, elle sait pas quoi faire. Mais à un moment donné, quand même, elle décide de partir parce qu'elle a faim. Elle a faim, elle a pas mangé depuis vraiment de nombreuses heures. Elle quitte ce motel pour aller s'acheter de quoi grignoter. Et elle va dans un bar. Et dans ce bar, il y a un homme. Et cet homme, c'est un policier qui n'est pas en service. Il n'est pas en service, mais il est au courant qu'une jeune backpackeuse belge a disparu dans la région. Il est au courant que toutes les forces de police sont à sa recherche et il la reconnaît. Il reconnaît Devin et voilà, il lui porte secours. Pour Devin, c'est enfin la fin du calvaire, mais il va lui falloir plusieurs heures pour retrouver un mode de pensée normal. Devin va devoir être hospitalisé quelque temps. Devin Harkin s'est sauvé, c'est vraiment génial. Ça fait toujours plaisir quand une femme disparue est retrouvée. Ça n'est sauve. Mais l'affaire n'est pas finie, hein, parce qu'il faut encore arrêter son ravisseur, Jane Bristow. Le lendemain, le samedi 11 février 2017 au matin, la police australienne fait une descente dans la ferme de Bristow. Et ils arrêtent l'individu sous les yeux médusés de sa famille, qui n'était au courant de rien. Bristow s'est rasé la tête, il a tenté de faire disparaître l'épreuve de son crime, mais toutes ses tentatives se révéleront inutiles. L'ADN de Devin est détecté partout dans le hangar à port. Les chaînes dont s'est servi Bristow pour la retenir sont repêchées au fond d'un puits et le téléphone portable de la Belge dans un réservoir d'eau. Les policiers ramassent aussi sur la propriété un faux pistolet en plastique acheté par Bristow sur eBay.
En résumé, il ne fait aucun doute que l'homme est bien coupable des faits qui lui sont reprochés. Enlèvement, séquestration, mauvais traitement et viol sur la personne de David Harkins. Ne partez pas, chères spectatrices et spectateurs, l'émission n'est pas encore terminée. Je vais maintenant parler de l'enquête de police qui a révélé dans cette affaire des informations faisant froid dans le dos. C'est assez flippant de savoir que, durant la séquestration de Devin, Bristow menait une vie en apparence tout à fait ordinaire. La maison dans laquelle vivait Bristow avec sa famille, avec son épouse Yann, son fils David et Shane, la petite amie de ce dernier, n'était distante que de 350 mètres du hangar où était enfermée sa victime. Seulement, cette maison était cachée derrière des arbres. Horrifié par les actes de son père, qu'il admirait beaucoup, David Bristow a eu des mots très durs à son égard. Il ne pourra jamais lui pardonner ce qu'il a fait. Et pour David, c'est comme si son père était mort, parce que Jane Bristow a incontestablement prémédité ses actes. Et il y a pire. Sachant qu'il ne s'était rendu compte de rien, David se demande s'il n'aurait pas eu déjà des précédents. Est-ce que c'était la première fois que Bristow kidnapper une femme, une jeune touriste? Et c'est vrai que quand on réfléchit, ce n'était peut-être pas un coup d'essai parce que chaque année, des milliers de jeunes gens disparaissent en Australie. On en reparlera dans la partie commentaires et analyse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très difficile pour David Bristow de vivre avec de tels doutes. De son côté, Jane Bristow affirme à qui veut l'entendre qu'il est innocent à 100%. Encore un innocent en Australie, ils sont tous innocents là-bas. Dans des lettres envoyées à son fils, Bristow explique que David n'était pas là, n'était pas chez lui, que tout ce qu'elle raconte n'est qu'un paquet de mensonges et qu'elle a fait tout ça pour de l'argent. Mais ces déclarations ne convainquent personne. Le 14 mai 2019, Jane Bristow passe devant la justice. Après avoir plaidé non coupable, il est condamné à 18 ans d'emprisonnement pour avoir retenu en captivité et violé la routarde belge. Il ne sera pas admissible à la libération conditionnelle avant 2032. Une fois libre, il sera susceptible d'être expulsé vers sa Grande-Bretagne natale, parce que Bristow n'était pas né en Australie. Du fond de sa cellule, Jane Bristow continue de nier avoir joué un rôle dans le cauchemar de Devin. Par conséquent, il n'a jamais exprimé le moindre remords pour ses actes. Nous avons terminé avec les faits, on va passer maintenant à la partie commentaires et analyse. La mésaventure australienne de Devin Harkins n'est pas un fait isolé, malheureusement. D'autres voyageurs étrangers ont vécu des mauvaises expériences en Australie. Je vous raconte d'autres affaires semblables dans mon livre, donc « Terreur en Australie, les vrais Wolf Creek ». Pour une fois, l'histoire s'est bien terminée, donc c'est assez rare pour le signaler, voilà. Il faut s'en réjouir quand ça arrive, hein. Si vous suivez mon travail, ça n'arrive pas souvent, malheureusement. Je dois dire que j'ai vraiment un très grand respect pour ce qu'a fait cette jeune femme. C'est incroyable ce qu'elle a réalisé parce qu'elle s'est sortie d'une situation qui était vraiment très critique par moments. Suite à sa libération, Devin a eu des passages un peu difficiles. Elle s'en est un temps voulu aussi d'avoir été bernée par Bristow. Elle s'est dit qu'elle avait été stupide de faire confiance à ce type. Mais je trouve qu'elle a quand même des circonstances atténuantes parce que Bristow a été vraiment très pervers, très sournois dans son mode opératoire. Par exemple, lorsqu'il a conduit sa victime entre Murray Bridge et sa ferme, il a pris un itinéraire bis et il a énormément rallongé son trajet pour mieux désorienter sa victime. Bristow a mis 2 heures pour y aller au lieu d'une et il a même pris 2 ferries alors que ce n'était pas nécessaire. Et il a fait tout ça pourquoi ? Pour embrouiller sa victime. Au final, Devin était complètement perdu, il ne savait plus du tout où elle était. Devin pensait vraiment être au milieu de nulle part, alors que le poste de police le plus proche, celui de Meningie, n'était qu'à environ 1 km du hangar dans lequel elle était enfermée. La perversité de Jane Bristow a été jusqu'à faire croire à la jeune femme que, prisonnière d'un mystérieux réseau, elle ne pouvait faire confiance à personne. Elle ne pouvait même pas faire confiance à la police infiltrée par les criminels. L'idée était vraiment de détruire psychologiquement cette jeune femme pour mieux la rendre passive. Mais il semblerait que Bristow ait sous-estimé sa victime. Comme déjà dit, Devin a été très intelligente. Elle a même surpassé intellectuellement son bourreau. Et Bristow a également commis des erreurs. Et tant mieux d'ailleurs. Le manipulateur a fini par être lui-même manipulé. Son plan a échoué,
et par chance, il a conservé, il faut le dire quand même, une infime part d'humanité en épargnant la vie de Devin. Il ne l'a pas tué quand il était en passe d'être arrêté, il a préféré la ramener à Murray Bridge et la laisser en vie. Bon, il faut quand même le dire parce que il y a trop d'affaires dans lesquelles les criminels éliminent leurs victimes avant de se faire arrêter. On va revenir maintenant à un point abordé plus tôt, la question de savoir si Bristow était à son coup d'essai ou s'il a déjà commis des actes semblables dans le passé. Eh bien moi, il y a plusieurs détails qui me font penser que c'était possiblement un coup d'essai, parce qu'il a quand même commis des erreurs assez grossières. Il a par exemple laissé des choses dans le frigo, les fameux crochets métalliques dont s'est servi Devin, mais aussi, surtout, il a laissé son sac à dos aussi, avec son ordinateur, sa clé USB, dans le hangar. Voilà, il a quand même commis des négligences. Tout ça, ça me laisse penser que c'était pas forcément un criminel très expérimenté. Mais bon, qui peut savoir, ce n'est qu'une idée. Ce n'est que mon avis, je peux me tromper. En ce qui concerne Devin, il faut encore tirer notre chapeau à cette jeune femme parce qu'en 2019, 2 ans après les faits, elle a tenu à raconter son histoire, à témoigner à visage découvert, sous son vrai nom aussi, pour raconter au monde entier son incroyable histoire de survie. Elle est même retournée sur place, sur les lieux de son calvaire. Si elle n'avait pas entrepris cette démarche, elle aurait eu l'impression que Bristow aurait gagné et elle ne voulait pas du tout de ça. Donc encore une fois, bravo, bravo à elle. En guise de conclusion, j'ai vraiment envie de dire que Devin Harkins, c'est vraiment un modèle à suivre en termes de courage et de résilience. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, elle prouve que ce ne sont pas le sexe et le gabarit qui font forcément la force, mais avant tout, le mental. Use your brain. Votre meilleure arme est votre cerveau, tout simplement. C'était donc l'histoire de Devin Harkins, j'espère que ça vous a plu, donc une histoire de survie incroyable. Je sais vraiment pas si j'aurais fait aussi bien qu'elle, je pense pas. Même si on peut jamais savoir comment on réagirait dans ce genre de situation. Pour être tout à fait franc, si j'avais réussi à me libérer de mes chaînes dans le hangar, je serais certainement parti à pied, probablement. Je serais pas resté, ça c'est très clair. Après on peut jamais savoir, voilà. On verra si l'occasion se présente. Enfin, je pense pas remettre les pieds prochainement en Australie, malheureusement. Voilà, pour des raisons personnelles, même si j'adore ce pays. C'est pas le meilleur moment d'y aller, d'ailleurs. Djokovic en sait quelque chose. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette histoire, je pense que vous allez aussi adorer les autres histoires qui sont dans mon livre « Terror en Australie, les vrais Wolf Creek », 15 affaires réelles et effrayantes. Vous en connaissez certaines, mais il y en a d'autres qui sont totalement méconnues. Si vous êtes intéressé, vous pouvez commander le livre sur Amazon en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Ce livre ne sort pas en librairie, il est disponible uniquement sur Amazon. Voilà, pour être tout à fait clair, ce livre n'a pas du tout pour objectif de vous dissuader d'aller en Australie, bien au contraire. Bon, il n'est pas sponsorisé par l'Office du tourisme australien, vous l'avez compris. C'est de l'information, je pense que un homme, voire une femme, avertit en vous deux, et puis voilà, c'est toujours bon de savoir ce qui peut se passer au cas où ça se passerait, voilà, pour éventuellement avoir les bons réflexes. Et puis voilà quoi, petite précision, bon, c'est pour la petite histoire, c'est pour ceux qui sont toujours là, ça pour votre culture personnelle. Certains d'entre vous pourraient penser qu'il y a peut-être une erreur, une faute d'orthographe dans le titre. Mais non en fait, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai repris l'appellation du lieu exact de Wolf Creek, Wolf Creek qui est à la fois le nom d'un parc national et surtout d'un cratère géant en Australie méridionale. Le début du film Wolf Creek a été tourné sur ce cratère. Mais le film a modifié le nom du lieu. Ils ont enlevé le E. Donc on pourrait traduire le titre du film Wolf Creek comme le ruisseau du loup, voyez. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le véritable endroit qui s'appelle Wolf Creek doit son nom un homme qui s'appelle Robert Wolf, avec un E donc, qui était un prospecteur et commerçant ayant vécu dans la ville de Halls Creek à la fin du 19e siècle. Voilà. Rien à voir avec le loup donc. Hein. Mais bon, je tenais à vous apporter cette petite précision. Voilà, donc merci à ceux et celles qui vont commander ce livre sur Amazon. Pensez aussi à laisser un petit commentaire sur Amazon, ça aide toujours aussi pour le référencement là aussi. Bah sinon, je vais faire comme d'habitude, hein. Je vais vous dire à bientôt pour de nouveaux mystères, et en attendant...
ne disparaissez pas. There's no time, feel the pain, live the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life, I never miss, that's fact. Taking big swings, dish, hand me the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed